Bonjour à toutes et à tous, nous voici réunis ce jour, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, pour entrer dans le pray. Dans le prayer? Ok, non. Bon, ok. J'arrête mes bêtises. Nous voici aujourd'hui, donc, pour un nouvel épisode, pardon, sur pray. Oh, les textures dégueulasses. Ah, voilà. Faut le temps qu'elle charge. Pourtant, tout est sur le CSD. Donc, alors, de mémoire, voilà. Il faut qu'on ait retrouvé le petit Underskline. Faut qu'on ait cherché. Attention. Onde de choc plasma imminente. Son corps. De choc plasma imminente. Attention, cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5, 4. Donc 3, on ne va pas y aller. 2, 1. Ok. Alors par contre, ce que j'aimerais faire, c'est monter là-haut, mais je ne peux pas. C'est bête parce que si j'avais de la force physique, j'aurais pu monter, vous voyez. Non, on peut pas. Que fait-on? On attend la prochaine charge ou pas? Ça va être un peu chaud. Gravité détectée. Oh oui, non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Gravité normale détectée. Attention. Ouais, voilà. Onde de choc plasma imminente. Ok, le docteur Klein, il est là à 23 mètres. Attention, cherchez c'est un abri. Con, j'ai trop onde envie d'aller chercher ces items là. 5, 4, 3, 2. Regardez, je me cache. Oh, je me cache. Allez, boum. Bah, il fait pas le boum. Ok, il a rien fait. Microgravité. Ok, bon, on y va vite. Hop, cool, on a des neuromodes. Alors là en dessous il n'y a rien. Non. Hop. On retourne vite là-bas. Gravité yes. Détectée. Attention. Onde de choc plasma imminente. Ah mais attendez un peu. Est-ce que je peux monter là au-dessus? Évidemment attention, que non. Cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Je vais m'excuser pour ce petit interlude, je viens d'éternuer mais quelque chose... Oh oh. Oh oh, ils sont corrompus. Ils sont où? Bah allez. Oh là là, et ils m'ont bien niqué ces salauds, hein. Attention, onde de choc plasma imminente. Ah ouais, signe vitaux critique. Tu m'étonnes. Ah, les tarlouses, quoi. 0 balles, furie, j'ai 0 balles partout, ouais, j'en ai 4 là-bas. Attention, cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5, 4, et l'autre, il est où? 3, 2, ben, 1. J'en ai tué 2 quand même. Oh là là, et ça... C'est chaud, hein. Ok, alors... Erreur, d'accord. Là, il n'y a toujours rien. Ah. Oh, merci. Ok. Ok. Oui, tu changes de position, merci. Attention, je le déchet biologique. De choc plasma imminente. Attendez, on va se cacher. Enfin, quoique, non, on s'en fout. Attention, est-ce que j'ai eu un code cherchez là? Cherchez un abri. Onde de choc plasma dans... Ah, on se cache. 4, 3, 2, 1. Oh là là, mais ça me nique tout, hein. Ça me nique tout. Il n'y a plus rien là-dedans. Là, c'est l'opérateur scientifique. Allez, donc on doit aller par là-bas. Là-bas, j'avais tout pris. Là-bas, j'avais tout pris. Là, je ne peux pas. Microgravité détectée. Microgravité
Détecté. Alors, c'était où? Ah oui, l'arboretum, il était genre par là. Eh, eh, oh, oh, oh. Oh. Moi je vais aller là. Opérateur ingénieur. Votre combinaison. Je vais vous faire. Merci, c'est très gentil. Bon, l'arboretum. Objectif multiple. Oh là, et je suis perdu moi. Magnétosphère. Non. Le voilà l'arboretum. Ah ah ah. Ouais, je peux le déverrouiller les amis. Oh. Ok. Ils te prennent. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces trucs? Oh là là, et c'est bizarre. Arboretum, l'arboretum est encore à 204 mètres. Appel entrant. L'écosystème des typhoons semble basé sur la création de cette substance. Les premiers chercheurs l'ont appelé corail. D'accord. Ah oui, c'est super beau. Ils ne sont pas certains de son utilité. Il ne s'est jamais étendu au-delà du cylindre de confinement. Jusqu'à maintenant. Ok. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ta mère jadisseur. Alors. Charge recyclante, charge IEM. Trop cool. Je n'ai rien du tout. Ah. Oh, le tisseur, il est là. Eh oh, moi j'y vais pas. Maman, j'ai trop peur. Oh là 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 là. J'ai plus rien pour refaire remonter mon psy. Ok. Oh. Ok. Je n'ai plus de... Alors, ok. Bon bah là c'est officiel, je n'ai absolument plus rien. Il me reste une pauvre arbalète inoffensive. Ah viens ici toi. Bah quoique mon armure elle n'a rien. Ami. Oh. Ok, il veut pas. Salaud. Ici l'ingénieur en chef, Ilyushin. La centrale électrique est tombée. Je répète. Oh. Chef, j'y connais rien en communication. Je fais du mieux que je peux. Oh là 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 là. Mika, ici le chef de la sécurité, Lazare. Vous me recevez? Farah ? Oui, je m'en sois. J'ai tenté de me connecter au système de haut-parleurs. Mon équipe se trouve dans la zone de fret, mais ces choses aussi, elles sont partout. Vérifiez tout ce qui vous reste entoure. Dangui, ok. Tapez dessus un bon coup avec une clé à griffe. Commencez par vérifier la clé à griffe. Bon, je sais pas pour vous, mais il y a moyen d'avoir ces choses. Le mal de l'air. Cognez tout ce qui tient debout pour voir si ça vous saute dessus. Trouvez un endroit sûr. Et quand vous serez en sécurité, appelez-moi par Transcribe.
Je vous envoie un contact sécurisé. C'est compris ? Ah. Compris. Nous arrivons à l'arboretum, les amis. Laissez mon transcribe dans le centre de contrôle du refroidissement. Ok. Je vais le chercher. Je pourrais me barricader là-bas. Tout va bien ? Je reprends juste mon souffle. Ça va. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ? Ok, Mika, alors. Mets-toi à l'abri. Typhoon. Tu appelles-moi. Laura Typhoon. Ok. Trop cool. Zéro arme, zéro munition. Cool, j'ai des bières. Une boîte de pizza. Des pièces détachées. En veux-tu, en voilà. Des restes d'anguilles. D'accord. Bon, eh bien, nous allons rentrer. Ah. Allez, on va le porter. Allez. Hop, je te laisse là. Nous allons rentrer dans l'arboretum, n'est-ce pas? Je ne sais même plus pourquoi je dois y aller, en fait. Mais nous voyageons à bord de Talos One. C'est quand même dommage que la station ne soit pas en monde ouvert. Donc il y ait des temps de chargement. Même si je dois avouer qu'ils sont plutôt courts. Vous avez réussi. Beau travail. L'entrée du stockage se trouve derrière l'arboretum. Ok, ça mimique là. Votre frère se trouve aussi là-haut. Jupiter dans son palais, au sommet des cieux. C'est ce que le vous disiez con. Dans son dos. Mais dans ce cas, vous seriez qui? Neptune. C'est Pluton. Quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pistolet disjoncteur étourdissant. Le pistolet disjoncteur étourdissant rend les cibles humaines inconscientes. Les typhoons y sont plus résistants, mais peuvent tout de même être temporairement immobilisés. Les entités robotiques peuvent être également neutralisées pendant un court instant, puis détruites par le pistolet disjoncteur. Ah, maintenez souris 1 pour charger pistolet étourdissant. Là, j'ai pour tirer. Appuyez sur R pour recharger. Ok. C'est plutôt cool, les bons à savoir. Donc nous arrivons à l'arboretum. Ici, on peut lancer des trucs. Là, on va... J'aime pas ces bruits-là, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, on va lancer le recyclage. Que puis-je recycler? Bah, tout ça déjà. Hop, hop, hop. C'est quoi? Matériaux synthétiques, non? Clac, clac. De banane évidemment, tumeur de mimique, circuit à prix dégrillé, fil dénudé, matériaux organiques non, organes de typhoon. Alors les matériaux on va les mettre ici, batterie disjoncteur non j'en ai 100, on va les conserver. Ah j'ai 4 neuromodes, je vais aller voir ce que je peux changer, donc ici reste d'envie, parfait. Alors hop, on va recycler tout ça. Hop, 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 et hop, nous allons voir ce que nous pouvons construire, genre des munitions, moi je dis ça, je dis rien, n'est-ce pas? Ah, on peut faire des neuromodes, alors il me faut un comme ça, deux comme cela, deux comme cela, et quatre comme ça, et trois comme cela, et ben écoutez, on va en créer un, ça nous fera un neuromode supplémentaire, plutôt cool. Kit de réparation de combinaison. Ok, charge IEM, non. Une fois injecté, augmente le potentiel psy. Ah, ça c'est bon, mais attendez. Cartouche fusil à pompe. Ok. Il m'en faudra 3, 6, 9, donc je pourrais en faire 3. Balles de 9 mm, il m'en faut 3 aussi. Écoutez, on va faire cela. Une pour le 9 mm. Donc 30 balles. Et on va en faire deux pour le fusil à pompe. Hop. Voilà. Du coup, j'ai plus que 0 ici. On va devoir ramasser des choses. Kit de réparation combinaison. Je vais peut-être m'en crafter deux. Comme ça nous en aurons. À moins que j'en ai déjà dans l'inventaire, je ne sais pas. Modificateur d'armes, non c'est pas ça.
pièce détachée non plus. Kit de réparation, ok, je n'en ai qu'une. Donc nous allons en créer une seconde. Ça peut vraiment être utile. Kit de secours, évidemment, je ne peux pas en faire puisqu'il me manque des items ici, vous le voyez. C'est pas grave. Donc, nous avons un modificateur d'armes. Donc, hop, on va modifier notre fusil à pompe, augmenter le nombre de munitions. Voilà, dans le chargeur, donc 5 balles au lieu de 6. Il faudra que je prenne armurier 1 pour augmenter davantage. Ce que je vais faire maintenant, d'ailleurs, neuromode. Alors, ah oui, je peux améliorer les je peux prendre les neuromodes ici. Transformation, télépathie, oh là là. Ouais, le problème, c'est que si je prends ça, en fait, les robots vont me considérer comme un typhoon. Et donc, de fait, ici, explosion cinétique, générant cinétique, jusqu'à 75 points de dégâts, pardon. Elle repousse tout ce qui se trouve dans un rayon de 6 mètres, la zone d'effet. Alors que là, c'est 50 points de dégâts, 5 mètres, ok. Sécurité, ingénieur, réparation 2, là il m'en faut 8, modification non, armurier 1, il en faut 4 quand même. Je vais prendre ça, je pense. Quoique, faudrait que... Transcendance non, furtivité non, non, tireur non, scientifique. Ouais, piratage. Ça c'est bien aussi, piratage. Voilà, je me tâte. Donc j'ai 5 neuromodes. Je me tâte parce que du coup je pourrais accéder à davantage de choses si je pirate. Ok, alors, que vais-je faire? Alors, je pense que je vais prendre piratage 2 pour commencer. Quoique... Augmente votre trader jusqu'à 200... Ok, ouais, je vais prendre piratage 2. Et la prochaine fois, je prendrai armurier. Mais pour cela, ouais, il faut que je crafte des neuromodes. Ok. Mais du coup, c'est quoi en fait qui me manque? Je sais pas trop. Enfin, soit. Ah, c'était quoi ça? Batterie de disjoncteur. Ok. Ah. Cool, un autre neuromode. Cartouche de fusil à pompe, ça c'est bien. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, on remet des petites balles. Voilà. On remet les balles ici aussi. Parfait. Allez, avançons. Oh oh oh, purée. Vous l'avez vu celui-là? Oh là 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 là. Comment vous sentez-vous? Ce typhoon. Aucune recherche n'en fait mention. Ah ouais, ouais. Ne vous en approchez pas. Le problème, c'est que lui va vouloir s'approcher de moi. Mais moi, j'ai pas envie de m'approcher de lui, hein. Je vous le dis tout de suite. Tant que vous y êtes, vous pourriez regarder pourquoi l'ascenseur est bloqué. Ce serait bien plus rapide et plus sûr que de devoir retraverser les TEG. Mmh. Ah, ok. Oh là là là. Oh, c'est joli. Hop, on va prendre ça. Ah ben, je peux pas. Tout casser. Ok. Alors. Ah ah. Sauf que là, est-ce qu'on peut pirater? Oui, je peux pirater. Alors, comment cela se passe? Piratage. La compétence piratage vous permet de contourner les systèmes de sécurité protégeant les digicodes.
Les postes de travail ou encore les postes de sécurité. Les niveaux supérieurs de la compétence vous permettent de pirater les systèmes robotiques tels que les tourelles ou les opérateurs. Pour pirater, utilisez ZSD et Q afin de parcourir rapidement le flux de données et atteindre votre cible. Une fois que vous avez pénétré à l'intérieur de votre cible, appuyez sur la touche affichée pour terminer le piratage. Ok. D'accord. W. Piratage réussi. Ok. Cool. Allez, je vais prendre ça moi. Ah, c'est un mimique. Oh, salopard. Il est où, il est où? Allez, t'es où, sale bête? Ah, t'es là. T'es ici. Allez, on va te scanner vite fait. T'es bloqué dans le décor. Mimétisme 3 disponible. Cool. Nouvelle aptitude psy disponible. Oh. T'es bête, t'es morte. Hop. Et voilà. Alors, une clé à griffe, les notes. Ok. Ok. Ça va nous faire le plein. C'était quand même une sale bête, hein. Il se transforme en tout et n'importe quoi, hein, ce salaud. On va recharger. Oh, la petite dame. Edna Bruton. Oh. Sauvegarde en cours. Ok, alors là. Ça va? Oh! Putain, il m'a fait peur. Hé! Hé, par ici! Ouvrez cette porte! Je vous en supplie! Vous pouvez l'ouvrir? Ah non, je peux pas. Oh, c'est quoi ce truc-là? Je vous en supplie! Ok, on va éviter d'ouvrir cette porte. Hein. D'accord. Fantastique. Il se passe des choses louches, hein. Ah, il y a une tourelle là-bas. Moi, vouloir aller... Non, je rentre pas là, moi. J'ai carrément trop peur. Alors, par ici, je ne vois rien. Ok, espace insuffisant. Mince. Hop. Voilà. Ça, on peut le recycler. Pirater, piratage 2, réparer pièces détachées, ok, voilà, pirater. Ah, zut. F. X. Ok, alors. Portée. Oh mais mince, faut que je la répare. Et si j'avais pas envie de la réparer? Bon, je l'ai quand même fait du coup. Je suis comme ça moi. Je suis un gentil. Oh là là. Oh oh. Il y a une musique que je n'aime pas, hein. Je vous le dis tout de suite. Là, évidemment, j'ai pas de balles. Voilà. Alors, hop. On va sauvegarder. Voilà. Scan de la cible. Ah, zut.
banane. Ah, attendez un peu. Il y a des choses qui prennent plein de place, je suis sûr, non? Ah ben non. Oh, j'ai un inventaire foutrement trop rempli. Hein. Objectif inventaire, neuromode, données. Puis ce périscope. Ah, attendez un peu. Réduit le temps nécessaire pour un... Ok. Ok, plus de combinaison. Ah! Alors attendez, c'est quoi ça? Augmente la vitesse de glissation. Réduit les dégâts reçus par les lasers. Ok. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Voilà, ça c'est cool. Bonjour Talos. Tout le personnel doit se rendre à son poste de travail pour la journée. Si vous devez vous absenter pour une raison quelconque, veuillez en informer votre superviseur immédiatement. Ah bah voilà, je l'ai utilisé. C'est cool. Ah bah je peux pas le prendre. Tout va bien? Ça ira. J'ai dû poireauter un moment. Deux blaireaux de la vente s'étaient dit que c'était le moment idéal pour fumer des cigares juste en dessous. Oh là là, et les amis, moi j'aime pas. Ça recommence à faire des trucs louches. Ouais, je viens d'envoyer la dernière partie. Elle devrait arriver sur Terre demain matin, heure de la côte ouest. Très bien. Je te laisserai un autre paquet demain, après le service. Lieu de livraison? Le Grand Hall, en espérant qu'ils font... Piraté. Hop, c'est... Piratage réussi. Trois fois dessus avec une clé à griffe. Ça l'ouvrira. Ils marcheront tous. Je sais pas trop... Je sais pas trop ce que ça apporte de les pirater. Mais bon. Allez. Ah. T'es trop mignon quand tu parles de tes gadgets comme ça. Ah oh, mince. Ne me prends pas de haut, Lily. Et ça m'a touché. Ça c'est pas cool hein. Alors, oh, ok, ouais, ça change, super. Mais c'est pas possible hein. Qu'est-ce que vous voulez réussir ça? Bon allez. 118. Ah oui purée, ça me prend 10 points de vie et moi je le fais plus. Hein. Je le fais carrément plus. Hein. Alors, est-ce qu'il y a du mimique par ici? Il n'y a pas de mimique par ici. Alors, un petit kit de secours. Là, il n'y a plus rien. Ah, un nouvel opérateur. Oui, j'ai fait un nouvel opérateur. Oh là, il n'y a rien. Opérateur Ménitage Transstar Pyramide 490. Prêt au déploiement. Allez. Oh, il est trop gentil. On va peut-être pas tous les sortir parce que du coup, si je reviens par ici après, j'en aurais peut-être besoin. Hein, quoi? Aucune menace d'iPhone détectée. Ok, c'est cool. Ce qu'on va faire, donc là j'avance, il y a quand même eu sacré... Voilà. Moi je vais faire quoi? On fait un principe stockage, je dois aller au stockage, ok. L'arboretum il est vachement beau. Objectif multiple, 24 mètres. Ça fout les boules. Mais il va falloir y aller. Erreur. Ajustement de l'inclinaison requis. Ouvrir, force physique 3. Hors de la zone de fret, mettre sous tension. Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Ah. J'aime pas beaucoup trop très ça. Ah mais si, c'est là que j'étais là tout à l'heure. Je suis bête. Je redéploie. Déploiement.
on ne sait jamais. Alors ici, fabricateur, non. On va recycler. Alors, lui, je ne l'ai pas amélioré. Oh non, je ne l'ai pas amélioré, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc, hop, hop, on va ranger un peu tout ça. Clac. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va là avec ceci. Ok. Là, là, là. Alors, ici. Ok. Voilà. Bah dis donc, j'en ai des clés à griffes. Attendez un peu. Clac. Ok. Ah oui, attendez. Hop. Non. Donc, lui, il va là. On va faire plutôt l'inverse parce que je préfère que ce soit comme cela. Très bien. Il y a déjà un peu plus de place. Hein. Alors, hop. Recycler. Voilà des matériaux. Est-ce qu'on peut lancer? Mais c'est magnifique. On peut lancer trois neuromodes. Ouais, c'est ça, trois neuromodes. Donc on va créer les neuromodes pour, hop, comme je l'avais dit tout à l'heure, faire l'armurier. Je pense avoir assez. Alors, N neuromode. Je l'en ai 5. Très bien. Maintenant, du coup, j'hésite parce que là, ça me soigne carrément mieux, quoi. Ah ouais. Ça me soigne carrément mieux. Revitalisation. Non. Tireur. Augmente les dégâts des armes de sécurité. Ouais. Ingénieur. Force physique. 1. Vous savez quoi? Ah, force physique 3, neuromode requis 6. En fait, je pense que je vais prendre force physique 1 et force physique 2. Enfin non, quoique, non, c'est de la merde. Oh là 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 là. Je suis tellement dans l'expectative. Là, je sais pas trop ce que je vais prendre. Non, je vais... Ah, des armes permettent de démonter l'équipement de votre inventaire pour en obtenir des pièces détachées et récupérer des pièces détachées sur les opérateurs détruits. Non, je vais faire comme j'ai dit, je vais prendre armurier. Oui, voilà. Du coup, inventaire. Clac. Clac. On va améliorer. Pardon, clac. 120%. Puissance de feu 9. On va améliorer lui. Lui, on va le passer. Puissance de feu de 45 à 49. Ouh. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Parfait. Et là prochain ça passera 54 quand même. Ah c'est bon ça. On peut quand même bien les améliorer du coup nos armes. C'est plutôt cool. Hop. Parfait. Donc, il nous reste un neuromode. Et voilà. Ok. Du coup, on va retourner dans cet arboretum de merda. On va retourner devant la porte de l'ascenseur et on se quittera là. Parce que lors du prochain épisode, du coup, on va se diriger vers le stockage. J'irai bien là-dedans, mais le problème, je vais utiliser tellement de munitions pour détruire tout. C'est ça, hein. C'est dommage, c'est dommage. Alors là, j'y suis déjà allé, parfait. Elle, je vais la mettre ici. Je vais la déployer. Parfait, et du coup on prendra l'ascenseur principal lors du prochain épisode. Si cet épisode... Oh tiens, j'ai plus ma... Elle est où ma clé? Elle est là ma clé. Quatre à signer. 5. L'heure à Typhoon, 6, 7, hop, 8,
Voilà, ça semble bien. Hop, voilà. Du coup, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude. C'est un peu plus lent que lors du dernier épisode. Il y a moins de choses dans cet épisode-ci. Mais je pense que lors du prochain épisode, on devrait avoir davantage de rencontres. Donc si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter la vidéo et éventuellement à la partager. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures avec notre ami chinois, enfin asiatique plutôt. Allez, à la prochaine. Peace.